Marcela Yacoub, si Saad arrivait aujourd'hui, si vous pouviez le rencontrer, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ou lui demander ? Je lui dirais merci. Quel est votre passage de son œuvre préférée ? La scène ou le passage ou la phrase ? Il y a une phrase que j'adore, mais parce qu'elle est très drôle, mais des 120 journées de Sodome, où il dit quelle énigme qu'est l'homme. C'est pourquoi un homme, quelqu'un qui avait beaucoup d'esprit, avait dit qu'il vaut mieux les foutre que les comprendre. Et vous, qu'est-ce qui vous... C'est ça, je saute du coq à l'âne, mais qu'est-ce qui vous séduit chez un homme ? Rien. Et est-ce que notre époque, par rapport à Saad, est-ce que notre époque s'est encore fantasmée ? Se donner cette liberté de fantasmer sur tout ? Mais à l'époque de Saad, on n'avait pas de cette liberté non plus. Non. Ça, il a payé cher de tout ça. Non, moi je crois que notre époque continue de punir les gens qui jouent, qui sont... Qui joue avec la sexualité, ou dans le sens qui joue intellectuellement, je veux dire, avec la sexualité comme elle l'avait fait. Malheureusement, c'est toujours un sujet un peu compliqué, en fait, et on a du mal à transformer les discours sur la sexualité dans quelque chose de... je dirais pas banal, mais qui a le même statut que les autres sujets des discussions, des conversations. Une fiction. Une fiction, merci. Merci beaucoup, Marcela Yacoub. Merci à vous.